Bonjour, je vous laisse vous présenter votre numéro de dossard. Nicolas Rivière, et comme j'ai dit à d'autres confrères, je ne connais pas mon numéro de dossard. Nicolas Rivière, dans quel état d'esprit vous trouvez-vous là grand matin? Bien, serein, et voilà, comme pas mal de collègues, là, de prendre le départ. Ça faisait déjà un an qu'on n'avait pas connu de grand raid, hâte, envie. Quel objectif cette année? Ça faisait déjà deux ans qu'on n'a pas connu de grand raid. Et l'objectif, c'est comme chaque année, c'est de faire le mieux possible. D'aller au bout déjà, enfin pas essayer. Le but vraiment principal, c'est aller au bout de la course. Et après, si les armes sont là, défendre au plus haut les couleurs de la Réunion et les couleurs de mon club, la Dominican Athletic, et de mes partenaires. L'année en 2019, vous avez fait une très belle course. Est-ce que cette année, vous avez envie de remettre la même chose? Ouais, après en 2019, on n'était pas sous les feux des projecteurs. D'ailleurs, la preuve, c'est que on avait récupéré mon dossard comme tout le monde là-bas et sans être convié parmi les élites. Donc, le but premier, c'est vraiment d'être détaché de tout ça en fait. Et quand le départ est donné, au fur et à mesure, au fil des kilomètres, on a vraiment le temps de voir passer les choses, d'être dans son rythme, dans sa bulle. Et après, on verra bien. On ne connaît pas encore que demain il réserve à nous, donc on va bien voir à ce moment-là.